Unité didactique 2, parcours en français, la citoyenneté et le comportement civique. Objectif, raconter un événement vécu. La marche verte. Contexte. Meriem et son frère Nabil sont au salon avec leurs grands-parents. Ils écoutent le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI prononcé à l'occasion de la fête de la marche verte. Grand-mère, est-ce que tu as assisté à la marche verte ? Oui, bien sûr. J'étais très jeune et je me rappelle bien de ce grand événement. Et toi, grand-père, tu as assisté aussi à cet événement? Oui, je m'en souviens très bien. C'était le 16 octobre 1975. Feu le roi Hassan II avait annoncé l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire, la marche verte à laquelle avaient participé 350 000 Marocains. Oui, le 5 novembre 1975, le roi Hassan II avait adressé un discours aux volontaires devant participer à cette marche en disant « Demain, tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. » Est-ce qu'il y avait seulement des hommes? Non, il y avait aussi des femmes. 350 000 Marocains de toutes les régions du royaume, dont 10% de femmes, avaient participé à la marche verte. Est-ce qu'ils avaient des armes? Non, ils brandissaient le Saint-Coran et le drapeau national. C'était la plus grande marche pacifique que le monde ait connue. La marche verte. Contexte. Meriem et son frère Nabil sont au salon avec leurs grands-parents. Ils écoutent le discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI prononcé à l'occasion de la fête de la marche verte. Meriem. Grand-mère, est-ce que tu as assisté à la marche verte? Grand-mère. Oui, bien sûr. J'étais très jeune et je me rappelle bien de ce grand événement. Nabil. Et toi, grand-père, tu as assisté aussi à cet événement? Grand-père. Oui, je m'en souviens très bien. C'était le 16 octobre 1975. Feu le roi Hassan II avait annoncé l'organisation de la plus grande marche pacifique de l'histoire, la marche verte à laquelle avaient participé 350 000 Marocains. Meriem. 350 000 Marocains. Grand-mère. Oui, le 5 novembre 1975, le roi Hassan II avait adressé un discours aux volontaires devant participer à cette marche en disant « Demain, tu franchiras la frontière. Demain, tu entameras ta marche. Demain, tu fouleras une terre qui est tienne. Tu palperas des sables qui sont tiens. Demain, tu embrasseras un sol qui fait partie intégrante de ton cher pays. » Nabil. Est-ce qu'il y avait seulement des hommes? Grand-père. Non, il y avait aussi des femmes. 350 000 Marocains de toutes les régions du royaume, dont 10% de femmes, avaient participé à la marche verte. Meriem. Est-ce qu'ils avaient des armes? Grand-mère.
Non, ils brandissaient le Saint-Coran et le drapeau national. C'était la plus grande marche pacifique que le monde ait connue.